Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de vocabulaire avec les binômes de 7 lettres. Et pour cette vidéo, j'ai eu le plaisir d'accueillir Edouard. Bonsoir Edouard. Salut Sylvain et bonjour à tout le monde. Ainsi que Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde. Allez, on continue. On avait déjà commencé les binômes de 7 lettres. On poursuit, on est bien lancé. Donc il paraît qu'il y a certains joueurs qui essaient de faire du topping. Ils connaissent pas très bien ce qu'il y a dans le dictionnaire, ce qui est embêtant. Et encore plus pour du duplicate. On croit rêver. Quoi? Vraiment. Bah bon, heureusement, ils viennent regarder les vidéos vocabulaire, apprendre les mots et ça va mieux. Et on espère qu'on va les retenir aussi, nous. Ben, on sait déjà que ce sera pas le cas. Mais on a toujours l'espoir d'en retenir quelques-uns. C'est toujours ça de pris. Allez, donc on y va. On utilise toujours le logiciel Elimo. Vous avez le lien dans la description. On va dans Scrabble multiple et on va dans les duos de 7 lettres. Il y a 1417 tirages de 7 lettres qui admettent deux solutions et seulement deux non conjuguées. Nous en avons déjà vu quasiment la moitié, un peu moins, puisqu'on a déjà fait 5 séries sur 11. Et donc on va faire la sixième tout de suite. Donc ce sont des mots de poids 0, donc que des lettres à un point, 1, donc juste avec une lettre à deux points, ou 4, avec beaucoup plus de variété dans les valeurs des lettres. Voilà, l'autre fois on avait fait 97% et 99,6% seulement une seule erreur dans la deuxième série. Et il reste deux séries ici. Donc voilà, on y va. Je vais tout de suite changer la fenêtre. Propriété, ça, voilà, et nous avons des définitions. Alors, pour ceux qui me posent la question, ce n'est pas dans Elimo qu'on peut mettre la définition, c'est un montage. Je vous conseille, par contre, depuis Elimo, si vous utilisez, vous pouvez faire un double clic sur les solutions pour après cliquer sur définition et tomber sur le très bon site. Un mot.net qui vous permet d'accéder aux définitions et à plein d'autres informations. Et c'est ce qu'on utilise pour nos séances de vocabulaire. Allez, 114 tirages au menu, donc 228 mots. Ils sont pas triés, donc bah, il peut y avoir aussi bien des mots très connus que des mots inconnus, comme dans les parties aléatoires. Et bon, normalement, enfin statistiquement, vous en connaissez à peu près 60%, quoi, entre 50 et 60% peut-être. Voire plus pour les plus cultivés d'entre vous. Et encore faut-il les trouver avec les lettres. Voilà, remettre les lettres dans l'ordre. Allez, c'est parti. Donc ça commence avec un tirage pas très simple. Il y a Galeta, je crois que ça peut Il y a être Ga... un... Alors ça doit être ça là, le truc du coup, parce qu'il y a Galate, Galeta. Donc Galeta qui doit à la fois le verbe galeter et un nom. Donc ça commence très très fort avec une sorte de piège. Et bon, évidemment, ce qu'il est tentant de faire avec ses lettres, c'est talage, mais... C'est zéro. Il y a talure, je crois. Allez. Donc ici, on a gainé Aimé, et et là saigné. c'est Là, c'était bien abordable. et pulpe. Alors, il y a épulpeur, mais pas le verbe épulper, malheureusement. Ah, ouais, ok. c'est dépulper le verbe pour qui veut dire ça et suppléer. Voilà, donc bah, un peu piégeux. Et puis, oui, bien sûr, je ne l'ai pas dit en introduction, mais si vous voulez essayer de trouver les solutions, vous pouvez mettre la pause pour chercher autant que vous voulez, et après vous enlevez la pause et vous pouvez voir les solutions. Et resserrer. Ah, ok, c'est... Ouais. Serrer, c'est ça? Et on peut mettre mi devant pour faire miserere, Ah, oui. qui est devenu Oui. variable, je crois. Oui, qui doit être variable. Réaliser. Lolita. Et oui. Cnémide. On salue Médecin. Nabokov. Cnémide médecin. Très belle anagramme. Vladimir. Vladimir. Odorant. Et Tandoor. Tandoor. Et on prépare le i pour Tandoori. suffixer en tandoori. Et là. Endurer. Oh, du fromage. Sanglé. Ah oui. On tente de permuter les consonnes. C'est vrai. Ça c'est.
Donc Galeta, c'est un logement. En fait, c'est Galeta, toujours avec un S. Ah, d'accord. Donc, un logement misérable sous les combles. Galeta. Voilà. C'est étonnant. Et donc, qu'est-ce qu'on nous, on nous informe qu'il y a odorant, odorante. Enfin, bon, c'est normal. Et tandoori, ok. Et langue, il y a toujours un S aussi. Donc, ça fait deux mots, il y a toujours un S. Bon, évidemment, vous pouvez jouer le verbe galeté au passé simple. C'est une ville de Haute-Marne, Langres. Ah oui, alors on va cliquer tout de suite dessus. Fromage de Haute-Marne, donc ça se tient. Et on prépare le PA devant pour faire Palangre. Voilà. Ah, c'est sur mon mur, je crois, Palangre. Ouais. Okay. C'est ce qui intéresse tout le monde, bien sûr. Donc, Serrere. Non, c'est Serrère, pardon. Ah, c'est Serrère. Serrère, un okay. peuple du Sénégal, et il y a Miserere. Voilà, là, c'est vraiment les accents. Donc, Serrère. Qu'est-ce qu'on pouvait remarquer dans tout ça? Saigner, qui est également un verbe, évidemment. Il y a même ressaigner, d'ailleurs, qu'on peut montrer ici. Voilà. Alors, Lolita m'évoque un peu quelque chose. C'est que c'est, au départ, dans le roman de Nabokov, c'est juste le prénom de la jeune fille, il me semble. Et ça serait à vérifier, mais il me semble que c'est à partir l'origine. De là que c'est devenu un nom commun, un peu comme Nana d'Émile Zola, ah ouais. ou à Harpagon. Et c'est ces noms de famille ou prénoms qui deviennent des noms communs parce qu'il y a un stéréotype qui est caché derrière, c'est une figure de style qui s'appelle l'antonomase. Ah ouais. Voilà, je voulais caser ça. C'est pas facile à caser. Alors, Cnémide, antiquité grecque, une jambière. Haute jambière en bronze que portaient les guerriers grecs. Voilà, selon le Wikwik. Cnémide, voilà les appuis sympathiques de Cnémide médecin, c'est évidemment médecine, comédien Nicodème qui est un binôme mais de 8 lettres, et puis décime. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur ces mots malodorant peut-être. Ah oui, plusieurs trucs sur odorant, déodorant, malodorant, subodorant, qui sont tous des adjectifs. Donc, comme ça. Ah, subodorant, c'est carrément... Ah, subodorant qui n'est pas du tout un adjectif, autant pour moi. C'est juste le verbe. Désolé. Alors, je vais quand même le préciser. Donc, là, j'avais mis juste que c'était odorante. Tu voulais dire quelque chose, Edouard, peut-être ? Non, j'étais en train de regarder l'article Nymphette sur le... Ah, oui. ...formatisé, parce qu'apparemment, c'est le seul endroit où ils ont recensé Lolita. Ah mince, je l'avais cherché. Mais ça, c'est un sens qui est vraisemblablement très antérieur à celui qu'on donne à la suite du roman de Nabokov. C'était quoi? C'était malodorante. Et puis subodoré, c'est le verbe. Voilà. Je vais faire comme... Attends, mais là, je l'ai mis sur odorante. Et nous, c'était odorant. Bon, alors, odorant. Il est là, ok. Voilà, je complète le fichier. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur Tandoor? En Inde, four en terre. Et donc, il n'y a rien de plus à dire que Tandoori. Ok. Bon, bah voilà pour cette première série. On va enchaîner avec la suivante. Ah, ça fait penser à Daniel Riondet, le regretté. Ouais. C'est Endroit et Tandoir, si je me souviens. Tandoir. Tandoir, et on prépare le E pour Étendoir. Hein. Ouais. On s'y met. Tout à fait. Et Niem. Bien vu. Étolien. Étolien, pas facile. Copiste. C'est Boano. C'est bien de retenir les deux ensemble parce que c'est Boano, c'est moins ouais. connu. Rogué. Ouais, Rogué, vocabulaire. Offendu. Ouais.
Réitérer. Moulin. Émulsion. Émulsion, on prépare le E pour émulsion, j'imagine. Oui, alors. Ouaté. Et le petit anaverbe. Je pense que émulsion est bien plus connu qu'émulsion, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et même émulsionné. Pour la suite. Voilà, tendoir, étendoir, et même après retendoir. Tiens, je me sentais qu'il y avait un truc. J'ai pensé à des tendoirs, je me suis dit non, ça doit être grotesque. C'est retendoir. Donc, on peut peut-être. Voilà, tendoir, un séchoir à linge. Étendoir, une corde à linge. Et retendoir, un outil qui règle la tension des cordes d'un piano. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut montrer un retendoir en image. C'est pour Anaël, ça. Ouais. Et la réponse est pauvrement. Ah ben. J'ai essayé retendoir dans Google Images. Ah si, t'as un monsieur là qui va en utiliser un, je crois. Ah ouais, ouf. Sur un piano derrière. L'honneur est sauf. Ouais, c'était limite. Et on est tombé sur le scrap pour les nuls quand même. C'est pas mal. Sympa. On le prend bien. Tendoir étolien, étolienne, délétion, léontine, xénolite. C'est Boineau de Cebu aux Philippines. Plus H et Bochon. Ouf. Rogué, ouais, donc rogué, ça veut dire quoi? C'est un poisson femelle qui porte des œufs. T'as pas mis qu'on pouvait mettre un D devant? Ouais, c'est trop facile. Mais on pourrait, effectivement, rajouter. Ah, là, je l'avais mis en plus. Bah ouais. Ok, ça mérite. Bon, et fendeur, fendeuse, personne qui fend du bois, du fer, de l'ardoise. Défendeur pour fendeur. Ok. Il y a aussi une fenderie. Ouais. Alors, défendeur pour fendeur, c'est pas mal, je vais aller le rajouter. Ah, en plus, pour fendeuse, j'avais mis pour fendeuse. Ah oui, c'est défenderesse, c'est ça le truc? Ah, peut-être bien. Ah, c'est un truc. À l'arnaque. Oh. Défendeuse, et bim. Ok. Bon, et donc, je cherche fendeur. Fendeuse, et donc c'est défendeur. Virgule, res. Et pour fendeur, pour fendeuse. Bon. On va dire que c'est compréhensible pour la prochaine fois. Et on a donc le verbe boucaner qui signifie fumer de la viande. Puis côté copiste, rien devant copiste, je m'étais déjà posé la question. Mais... Étolien, donc on a dit que c'était d'étolien en Grèce. Le copiste, c'est celui qui simplement copiait des manuscrits à l'époque où il n'y avait pas d'imprimerie. Et on parle encore de copiste. On parlait aussi de copiste pour les partitions, il semble. Mmh. Donc, émulsion, c'est l'action de traire. Et il y a émulsion et émulsionné. Ok, très bien. Poursuivons. Ombrage. Voilà. Ombrager, le verbe. On pourrait croire que ce n'est qu'un adjectif, d'ailleurs. Mutiner. Ça, c'est un adverbe, donc c'est le plus connu. Outillé. Ça aussi. L'agné. L'aîné. L'aîné. Ouais, l'aîné, qui est pas facile. Hein. Bacule, qui est sur la première page de l'ODS, je crois. Certainement. Et câbleau. Ouais, ouais. C'est une des premières anagrammes qu'on apprend si on bosse les 7 lettres comme oui, ça. Parce que là, on voit le tirage, c'est A, A, B, C. Oui, Abacule, c'est le cinquième mot de l'ODS. Allez, dry. Ah oui, ralidé. On aura peut-être d'ailleurs. Il y a A, A. Ah oui, Abacos Tabasco, on l'aura peut-être. Ouais. Effectivement. Maneton. Je crois qu'on l'avait pas vu. Maneton. Et d'accord. Et un autre mot. Maton. Maton. Maton, maton. Mousser, mousser, ça va aller.
Désolé, Désolé. l'OD, ça va aller. Et Tremor meurtri. Voilà. C'est bien. Trimmer, trimeuse. Il y a Tramer aussi, je crois. Hein. Tramer, Oui. Eratum. Ouais, c'est ça, ouais. Un autre binôme. Et Maturé, d'ailleurs. C'est un trisome. Un temps pour moi. Mais et Trimmer meurtri, c'est marrant parce qu'il y a vraiment juste les deux syllabes à inverser. Ah oui, on Ouais. inverse tout, ouais. C'est du verlan. Trimmer, Exactement. meurtri. Embargo. Donc LOD, c'est pareil qu'avec un H, mais c'est que E, hein, c'est un nom féminin. On peut peut-être vous l'illustrer d'ailleurs, une plante d'eau douce. On va essayer de la montrer. Alors, je ne sais pas si elle est plus connue avec ou sans H. Voilà, des LOD denses. LOD du Brésil, jardinage le monde, LOD du Canada. Oh, il y en a partout. La flore lacustre, l'LOD. LOD dense. Ok. Sinon, Cablo, qui est pareil que Cablo OT, que j'ai eu dans les 6 lettres, car c'est également Cobalt et Clabo, je crois. Alors, le câble OT, il est plutôt inattendu, je dois dire. Magneton, c'est une épan... Il y a des épanthées, c'est magne... une épanthée, c'est magneton. Alors, Magneton, c'est quoi? Partie d'un Magnéton. vilebrequin. Ah, c'est un racagnac. Où s'articule la bielle? C'est technique. Bon. Alors, est-ce qu'on peut essayer de montrer ça? Non, c'est pas C'est encore plus un technique que je le croyais. racagnac. Ah, cool, on a un super schéma. Donc là, en haut, vous avez la bielle. Au milieu, vous avez le manetan. Et en bas, vous avez la flasque de vilebrequin. Et là, vous apprenez quatre mots d'un coup, c'est parfait. En fait, j'avais aucune idée de à quoi ça ressemble un vilebrequin, je me rends C'est compte. pas facile. Ralidé. Oiseau aux ailes courtes, type râle, poule d'eau. Ça se défend. Bon, alors ça quoi? Ressemble à quoi? Une poule d'eau, c'est quoi ça? Bah, c'est une poule d'eau. Ah ouais, ok. Tu vois ce que c'est? Une Je vois. poule? Ouais. Non, c'est. Mais Rallydé. Rallydae. Ok. Donc, Maton, Maton, oui. Et puis, l'aîné, c'est un velouté. Ah oui. Il y a aussi l'aînier. L'aînier, l'aînière. Bon. Et l'ânier. Donc un peu tout. Faucon femelle dressé pour la chasse. L'ânier. Intéressant, quand même, comme anagramme, comme binôme. Et Abacule, élément de mosaïque. Alors est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble? On n'est pas. C'est peut-être juste un carreau de mosaïque, en fait. Ouais, c'est un Ouais, carreau, quoi. ça doit être ça. Pourquoi utiliser le mot carreau quand on peut utiliser abacule? En plus, ça Allez. fait des rigolotes. Trimmer. Et dry, on n'a pas regardé. Sentier de troupeau ou cordage tendu. Tristre. Ça m'a calmé, ça. Bon, et évidemment, le trésor de la langue française ne connaît pas Abacule. Ah oui, il y a le verbe ombrager, mais aussi porter ombrage. Oh non. Bon, bah allez, c'est parti. Couplet, copulé. Un autre anaverbe. Par contre, il y en a un des deux qui est intransitif, il s'agit de copuler, n'est-ce pas? Oh non, c'est pas Glasnost, c'est dans les binômes de 8 Non, c'est plus lettres. rien. Oh là 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 Ghost. là. Glosant. Bah Ouais. voilà, comme ça, on peut apprendre sanglot, glosant, sanglot au pluriel, Glasnost. Et annuel. Annuel. Oula, trop dur pour moi ça. Faut inverser deux lettres. Dessalé. Et délasse. Soult. T'es sûr de Donc, alors, toi? Car. ah oui, Soult, c'est une espèce de quote-part qu'on paye dans un héritage ou quelque chose comme ça. Ok. Harald. Et déallé. Et Harald, c'est un canard. Et bon, alors là. Ça, c'est vrai. Grutier. Grutier, grutière.
Ah bah tiens, on l'avait vu juste tout à Ah l'heure. ouais. Et linéaire, il doit avoir un rapport avec le lin. Il y a Torero. lignée et linéaire aussi, je crois. Ouais. Et routeur. Ouais, je crois que c'est un engin de travaux. Ouais. Mais je dis tout le temps ça, Drive. pour tous les mots. Allégir. Parfait, bien joué, bonne série. Et j'ai écrit qu'il y avait culinaire, collinaire et collinaire. Collinaire. Non. Non, Collinaire. collinaire. Il y a aussi linéaire qui se prolonge en collinaire, mais avec un seul L. Alors, c'est du lin sauvage. Bien joué. Il y a donc collinaire relatif à la tige. Ah oui, c'est col quand on a Et il y dans a acolineco. collinaire où il y a de nombreuses collines. Plus V, Colline. écrivaillon. Et bim! Oh. Le petit 11 lettres. Hein. Il fait plaisir. Alors, j'ai mis ces trois-là, mais ce n'est pas les seuls. Il y a aussi apollinaire, catilinaire et disciplinaire. Attends, Apollinaire, comme le poète là. Comme Guillaume. Ah oui, en fait, il a Comme attiré Apollon. son. Bon, est-ce que c'est un pseudonyme Apollinaire en fait? C'est la Ah! question. Bon. Ce serait rigolo. Allez. Allez, Moi, je un peu de pense. recherche. Tu penses que c'est pas son vrai nom? Mmh, Pourtant, ils ont mis disons. nom du poulet. Ah, ça pourrait être un de ses prénoms. Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrovitski, c'est ça? Ouh, Oh tout là à fait là ça. là 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 là. C'est un des prénoms qu'il a pris comme nom de famille. Sympa. Ok, ah, mais j'ai mis etc. Donc ça va, c'est correct. Le canard plongeur, Harald. Copule est effectivement intransitif, tout comme sangloter, n'est-ce pas? Il y a deux orthographes à sangloter ou c'est un seul Non, T? un Un seul. seul. Désolé. Annulé. Bon. Annuel. Il y a du truc devant. Bisannuel, trisannuel, pluriannuel. Ah, je n'ai pas précisé ça. Alors, je vais vous le Alors, noter. la soute, j'y étais pas tout à fait. Mais pas très On y loin quand même. arrive, Hein. on y arrive. C'est bien une histoire de pognon en termes juridiques. Hein. C'est juste pas une quote-part dans un héritage. C'est autre chose. Alors bisannuel, trisannuel et Une pluriannuel. compensation. Ah oui, désolé, je parle d'autre chose que ce que tu fais. Ouais, non, du coup ça me perturbe. Ouais. Alors dessalé, délacé, soluté. Allez, soult. Ouais, Soult, voilà, du droit. On aime bien le droit. donc c'est une compensation quand il y a eu un partage Nul, ok. inéquitable. Ok. Je Un gramme de devrais dire. soluté en chimie. Et on ne Il peut y a pas eu oublier plusieurs. absolute, absolute, résolute, dissolute et autodissolute. Ouf. C'est moche, hein, ces mots-là. Ouais, Ouais. c'était que les conjugaisons Ah, c'est des du... que j'aime. conjugaisons, plus c'est Ah oui. des adjectifs. Ah ouais, non, non. Bien sûr. Ils sont tous des conjugaisons de verbes. Alors que le terme de chimie, c'est un soluté. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est un peu piégeux comme rallonge, au pluriel. Ouais. Oui. Mais bon, elles sont pas trop chères normalement. Voilà. On va mettre quoi? On va mettre absolute, résolute, dissolute, Et auto. auto-dissolute, hein, au point où t'en es, tu peux faire Voilà, quoi? je finis. Auto-dissolute. Voilà. Hop. Ouais, c'est le verbe auto-dissoudre, bien sûr. Oh. Tigrure. Alors, on peut vous montrer des areldes, quand même. Ah oui. Ce serait une faute de ne pas le faire. Sympa, c'est Très joli. sympathique. Areld de Kakawi. Areld de Ah oui. Boréal. On avait déjà vu ces photos Ouais, je quand on avait crois. parlé de Kakawi, qui a deux orthographes. Le Harald de Miquelon. Et le routeur, on revient plus terre à terre. Engin de travaux publics, un point. Et puis voilà, on termine avec le verbe grailler et le verbe allégir. Eh ben, c'était sympathique comme série. Il reste 74 tirages, on poursuit.
Indy. Indy, Cindy? Ouais. C'est rigolo. Enduro. Et bien sûr, ah oui. Reset. Reset qui s'écrit également qu'un Z, hein. Ouais, mais c'est pas la Mais même c'est pas la chose. même chose. Biberon et Biberonnier. bobinet. Ouais. La roue. Quand t'as tout là. Galt. Oh, du là, pardon. Est-ce que c'était Légus? Non. C'était Lugu. T'es lugu. T'es Ouais, il y a Lugu. tes T'es aigus Lugu. et tes legs. Hum. Mais c'est. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Gestuel. Ah oui, c'est terrible, hein, quand même. Mmh. C'est absolument Ouais. terrible comme mot. Session. Comme une session de vocabulaire. Exactement. Sisson qui s'écrit comme C'est ça. ça. Oui, il Et. doit y avoir avec deux N aussi. Alors là, j'ai comme un vieux doute. Ah non, il y a d'autres mots qui font ça, mais Je peut-être pas lui. Néosine. serais bien embêté, à dire vrai. Et je ne le prolongerai pas en saucissonne, quand même. Non! Il y en a qui ont essayé. Bon, alors, anagramme d'Éosine, c'est quoi? Ah ouais. Océine. Ah Là, ouais, c'est du aussi. pur vocabulaire. Terrible. Hein. Les deux sont méconnus. Coincé. Myosine encore, c'est utilisé en pharmacie, donc Et concise. connu. Mmh. Matoire. On devrait trouver l'autre avec matoire, mais. Mais non. Mario. C'est pas trisoma, hein, ça fait pas possible. Ben, pas possible, je dirais pas ça, mais. Ah. Si, si, je dirais ça. Ah ouais, plutôt ouais. Ouf. Sondeur, sondeuse, risette, frisette, grisette. Bobiné, débobiné, embobiné, désembobiné, rebobiné, rembobiné, c'est la fête. Ah Et mais si, qui tu est-ce avais qui donne? raison. Ah, attends pour moi. Ah. Sisson. Chorégraphie, un saut suivi d'une retombée sur un seul pied, mais c'est beau. Oh. Et ça doit faire mal. Ouais. Et intérêt être musclé. Bon, vous voyez l'idée, hein. Pas de Oui. vidéo pour illustrer, mais. Enduro, donc c'est un 6 lettres. Preuve d'enduro. Cindy, donc du Sind au Pakistan. Ah oui, c'était pas écrit parce que il n'y a que les masculins singuliers qui sont indiqués. Voilà. Donc sondeur, sondeuse, soit. Reset. Ah, il y a aussi ce reset et pas reset, tiens. Bon, bah pendant que j'y suis, je vais la rajouter. Frisette grisette aussi. Ouais, ceux-là, je les ai mis, en Ah fait. oui, tu sais, mignon. Mais je me demande pourquoi je suis pas allé au bout de mon idée. Ah oui. Un peu dommage. Bon, juste pour réviser des petits. Ah, c'est des 9 lettres, en fait. Ok. Ouais, il est juste en dessous le singulier. Oui, bon, ça marche aussi. Hop, très bien. Parisette. Voilà. Parisette, oui, c'est mignon. C'est une plante des bois à baies bleuâtres. D'accord. Oh, il doit y avoir Donc, des pas de odeurs rapport d'amour. avec les Parisiennes. Comment ça? Ah, Mmh. ouais, voilà, la petite baie. Pas très visible quand même. Ok. Et donc, Sisson, c'est la fameuse chorégraphie. D'accord, j'avais déjà oublié. Excellent. Et Tarot. Océine, c'est quoi? Ouais, Océine. Biologie constituant de l'os. Ah, d'accord. Cohérent. Ça se tient. Et ça Et rien donc, pour l'os. éosine, c'est la matière colorante rouge. Datura. Une plante toxique. Alors, si vous voulez pas vous faire avoir, on va vous la montrer. Et à retenir pour une future dictée, c'est un nom masculin. Ah ouais, un T'es quand datura. même pas gagné, hein. Ah non. En finissant par A, ouais. Pas fréquent. Bon, gestuel qui est dur à former, qu'on peut mettre évidemment féminin. Session, est-ce qu'il y a des trucs devant? Ah, bah oui. Oui. Il y
y a obsession, possession, copossession, dépossession, intercession. Pas facile. Bon, c'est pas comme si ça allait faire des points, mais tout de même. Je me demande si intercession avec un C. Du verbe intercéder. Je vérifie ça tout de suite. Alors, obsession. Eh bien oui, il y a aussi intercession avec un C, action d'intercéder. Et un intercesseur, mais il n'y a pas d'intercesseuse, hein, que les choses soient claires. Intercession. Bon, ok. Et sinon, coincé, concise, amorti, matoire. Matoire, vocabulaire. Ah oui, circoncise, incirconcise. Hop. Ça fait trois jokers. Enfin, ça fait un joker. Ah ouais, ça fait un joker, c'est, ouais. C'est vrai. Et donc, matoire, il s'agit d'un outil pour matir. Voilà. Des matoires sur mesure. Ça a l'air assez technique encore, là. C'est pour faire des symboles. On dirait des gros clous, quoi. J'ai pas 20 matoires pour le... Il y a des grosses rallonges par devant, par derrière, là, du genre inflammatoire. Ah oui, il faut retirer le S. Oui, blasphématoire, par exemple. Oui. Lacrimatoire. Crématoire, déclamatoire, lacrimatoire. Ouais. Estimatoire, ouais. Consommatoire. Ah oui, c'est un peu violent. Ça peut faire mal. Bon, bah voilà. Pour cette série. Allez, j'enlève la fenêtre et on repart. Il y a 64 mots. On s'accroche. Aliment. J'étais sur smaltine, moi, mais ça va. Ah, ça, c'est en billette, ouais. Aliment. Oh là là. Et barbe. Barbé, barbé, faraude, fardo, linger. Oui. Linger, lingère. Et grelin. Grelin, ouais. Voilà. Sacule. T'as pas commencé par le plus facile. Ah ouais. Tinéide. Et c'est inédite l'autre. Et je crois que c'est inédité. Je crois aussi, c'est vrai. Ah, je crois pas, moi. Je propose. Opposé. Médical. Médical, c'est décimal, ça va comme anagramme. Allez, on poursuit notre tour sans faute pour l'instant. Et l'instant de vérité. Et au féminin. Tinéidé papillon, bravo. Ah, ouais. Bravo. Et papillon de type mythe. Alors, on y va. Hop. Ah ouais. Bon. Ouh, il a pas la grosse cote sur Google Images quand même. Voilà. Il y avait une photo de chat quand même. Pour dire qu'ils viennent se caser partout. Bon, alimenter, etc. Certes. Super aliment. Ah, ça, c'est la classe. Bon, il y a réalimenté, suralimenté, bon, qu'on peut mentionner quand même. Hein. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Non. Alors, je vais aller mettre quand même les trois là. Donc, super aliment et réalimenté, suralimenté. Voilà. Bon. Alors sous-alimenté, ça existe aussi, mais avec un trait d'union. Ah oui, du coup, ça rentrera plus tard. Ouais, c'est ça. Dopage, antidopage, ouais. Certes. Comme doping, antidoping. Oui.
déclara-t-il Ouais. Ok. en sachant tout par cœur. Il y a 0% de doute. Pharo-pharaude, c'est prétentieux. Comme certains joueurs de Bien, Scrabble. on a eu un exemple à l'instant. Fardo, lingé-lingère. Donc, bon. Voilà. Rien à rajouter. Il y a Riesling en appui I. Et ressingle comme un anagramme de lingère. Oui, ressingle-lingère en 8 lettres, c'est un binôme, effectivement. Et Sterling Triangle, c'est un binôme aussi. Et Riesling, il est unique. Alors, ça cule, pas facile quand même. Cavité de l'oreille interne. Et ça rime avec abacule. Acculé, bon, proposé, opposé. Flanage Alphange. Alors, avant, il n'y avait que Alphange, je crois. Et voilà, Flanage qui est rentré en OD5. Une flânerie québécoise. Flanage. Bon, on était assez complet. Allez, 54 tirages restants. Poursuite sans faute pour l'instant. Tutoré. Rouette. Classique. Rouette Ah. végétale. Et avant l'OD5, du coup, rouette était unique. Si je m'abuse. Végétal, veltage. Car vétage plus Déféré. vélage égale veltage. Et les trois sont bons. Déféré, fédéré. Dernier. Égrené. Égrené, généré. Ça va, là, ça c'est notre niveau, ça. Informé. Informe. Et il n'y a plus personne. Fermion. Ouf. La même chose que fermium. Égoïste. Goulaf. Et le fameux foulage Goulaf qui était sorti dans un qualif interclub. Voilà. C'est tout ce que j'avais déclaré. Trans qui est dur, Intéressant ça. déjà. Et l'autre n'a pas l'air très plus facile. Sénard, non, c'est pas bon ça. Sénard, ça a une bonne tête. Hein. Non, c'est le club du Sénart, ça, je pense, peut-être. Et encore. Vous voulez jouer comme ça? Ben. Ouais, j'y crois pas. Mais bon. On va déjà chercher les autres. Boucler, squaner, corps bleu. Stressé? Stressé? S30, ça sera mieux, effectivement. Beaucoup mieux. Bravo! Un bord de mer, je crois. Ouh là là, la tentative! La tentative risquée. Oh, bien joué, partie littorale comprise entre marée et haute et basse. Oh. Oh, c'est beau. Ça mérite 2 points définition, ça. Bon, un point alors. Trans. Voilà. Donc, veltage, j'ai mis vélage plus vétage égale veltage. Voilà. Comme ça permet de retenir trois mots qui sont ben, inconnus, quand même. Le jaugeage des tonneaux. Ça calme, hein? Jaugeage. Le vélage, c'est pareil que le vêlement, c'est l'action de mettre bas. Et puis, si vous avez été attentif, on a eu vélage avec David et on avait vu qu'il y avait cuvelage, javelage, nivelage, tavelage. Il l'avait retenu avec cujanita. Enfin, il avait essayé de le retenir. On lui reposera la question dans quelques jours. On verra s'il s'en rappelle. Est-ce qu'il a retenu Gratra dessert aussi? Ah, je crois qu'il s'est arrêté là. Cujanita grattera dessert, il a dit, je crois, mais je suis pas sûr qu'il ait retenu cette phrase en entier. Attends, pardon, je vous montre parce que là, on parle dans le vide. Voilà. Les prolongements de vélage. Et donc, je voulais vous mettre veltage pour compléter un type de revêtement de mur. Et là encore, vous avez de quoi prolonger en rivetage, bouvetage, brevetage, clavetage, sauvetage. Bon, c'est sans fin. Fédéré, déféré. Alors, déféré, traduire en justice. Bon, jusque-là, tout va bien. Fermion, une particule. Et on a Et c'est pas la même chose que fermium, en fait. Effectivement. La Goétie, c'est la magie noire dans l'Antiquité. Anagramme d'égoïste. Et égoïstement. Bon, foulage. Action de fouler les raisins. Puis Il n'y a pas goulafre, de c'est pareil défaut. que goulafre. Non, pas de défoulage, ouais. Goulaf, goulafre, c'est un goinfre belge. Voilà. Estrin, bouclé, corps bleu invariable, donc c'est comme
peu près tous les jurons comme morbleu, Sacrebleu. mordieu, ouais, vertu bleu. Scrognonieux. Ouais, Ah ah, si on met bleu, on va les avoir d'ailleurs. oui. Cool. Il y a même Scrabbleur dans les jurons quand il y a du bleu. Parbleu. Parbleu, sacrebleu, vertu bleu, palsambleu et ventre bleu. Ah oui, pas le sang bleu. Ah, palsambleu, c'est un juron familier. C'est parabellum, moi, R. Ventre bleu. Voilà, quand vous raterez un Scrabble la prochaine fois, au lieu de dire des choses triviales, vous direz ventre bleu. J'ai raté un Scrabble. Ben voilà. Allez, on continue. Alors, rouette, quand même. Ah oui, devant rouette, il y a bouette, couette, fouette, jouette, mouette, nouette. Et il y a Il y a pas brouette, jette. girouette, marouette, pirouette. Il y a du choix. Alors, à propos de tous les jurons, je viens de regarder Scrognonieux. Et bien, Scrognonieux, il n'est pas invariable. C'est bon ça. On peut mettre un X à la fin de Scrognonieux. Ah, c'est parce que c'est un vieux bougon, un scrognonieux. Ouais. On en connaît aussi. Voilà ça. Voilà, ils se reconnaîtront. Gérard, si tu nous regardes. Et on peut y aller. Avec vendu, Vendu. devenu. Devenu. Ça allait comme Iguane. l'anagramme. Iguanusinage. Papou Papou. et papouse. Soupape. Ah, soupape, En fait, ok. papou, c'est avec deux os. Ouais. Laté. Alors, plus E téléaste, mais Alors là, c'est pas faut la se question. concentrer, là, je crois. Serait-ce attelle comme ça? Bah, attelé, en fait. Attelé, j'accepte. Ouais. Grésil, Glisser. qu'on a vu tout à l'heure en passé. Et glisser. 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 Tergal. Tergal qui peut être à la fois un adjectif, donc tergale, tergo, et puis le tissu, je crois, avec un S. Et larget. Déifié. Édifié. Édifié. C'est pas la pire anagramme, un adverbe du monde. Crépiter. Précité. Crépité. Et décrépite. Décrépite. Enduire. Enduire. Urédiner, non. Urédiner. Faut Ouais. toujours deux E, oui. Ah ouais. Parce qu'on a eu uridine l'autre fois, j'en revenais pas. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est Et pas puis ça. urédiner. Oh. Enduire. Ça va pas être bien sorcier. Ah ouais. Quelle horreur. On va pas jouer uridine, hein. Fou ça. Non. Tu as regardé C'est pas le suivant endurie, en lettres. endurie, ténurie, turine. Quelle horreur. Alors là, c'est mutuel. Et Et mutuelle. mutule, donc ça c'est pas trop dur comme anagramme. On inverse une lettre, comme annuel, annulé. Mais là on a un problème par contre. D'une riz, c'est pas le bon. Non. Ah oui, Ah. purée, carrément. Ouais. Allez, papou, papou. Je m'étais refusé papou avec un. Ah oui, Il y a pas plus, quelques ben voilà. mois, et papou, il est comme ça. Multisoupape, ça se tient. Évidemment. Grésil, c'est pareil que groisil, c'est le cousin de grémil et précité. Attention, c'est un adjectif et non pas un verbe. Crépiter est intransitif, comme tout le monde le sait. Le fait que préciter soit puisse pas être un verbe, mais Ouais. c'était pas ça. C'est juste cité précédemment, mais on peut pas préciter quelque chose ou quelqu'un. Ouais, c'est genre. Un tel, précité, ouais, bon, c'est un peu l'arnaque. Et à prénoter, par contre, là, il n'y a pas de problème, quoi. Ah Laté, attelé, soupape, papou, iguane, un reptile saurien. Usinage. Cousinage et limousinage. Et ouh, bim! En plus, devant limousinage. usinage, on peut vraiment se dire que c'est bloqué, hein. Et on a tort. Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut noter? Grésil, c'est de la pluie congelée formée de petits grains de glace. Et donc le groisil, c'est des déchets de verre. Ok.
Attends, je suis curieux de taper Grésil quand même. Ah, bah là, je suis pas déçu là. J'ai du désinfectant. Mais Grésil. ça, c'est du Brésil. Ah, quand même, on a le truc de glace là, de pluie de glace là. Une espèce de grêle. Ouais. Ah, mais ça vient peut-être de la même famille en plus. Ou pas. Ah Bon. oui. Ah oui, c'est un accent circonflexe sur grêle, ça peut être ce Sait-on jamais. S. Alors, tergal, est-ce que c'est bien le tissu? Oui, la fibre synthétique du polyester. Et un adjectif relatif au dos, je crois. Tout à Quand on fait, en parle de... zoologie. Ah, c'est en zoologie, d'accord. Oui, parce qu'on dit souvent dorsale plutôt, en fait. Produit de laminage. Le largeait. Déifié, édifié. Précité, enduit, enduré. Mutuel, mutule. Ornement de la corniche dans l'ordre dorique. Et j'espère que ça vous a bien calmé comme définition. Alors on va tenter le Google Images. C'est pas gagné. Ah, Ah, quand à la même. vie. Quand même. Non. On a des beaux schémas. Définition d'une mutule. On a une très très belle mutule ici. On dit pas qu'on a tout compris, mais on sait déjà un peu plus de quoi il s'agit. Voilà, eh bien, nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette vidéo. Lumière. Est-ce que c'est meulier? Alors, le problème avec tous ces mots-là, c'est des questions internales. Élimeur? Élimure? Oh non, ça non. Meulier, ça vous dit pas? Je Mullerie? sais pas. Ouais, je le sens pas trop. Vermine m'énerve. Ah oui. Natal. Salante. Ah non. Ah non, c'est le piège, le marée Calme salant. donc tes ardeurs. Ah oui. Les marées salants, c'est ça? Mais Litière. alors salon avec un S, c'est ça? Du coup. Ah ça c'est pour David Ok. ça, litière, literie. Ouais. Plus R, tire, Minoré. lire. Mérinos. Mérinos, très joli. Toujours un S. Prince. Crépin, toujours un S. Crépin. Ouais. C'est des outils? Des crépins? Ah, ça pourrait bien, ouais. Perceur. Ouais, ça doit être Alors ça. là, attention, parce que perceur. Enfin, je l'ai tapé, je suis même pas sûr si c'est ça en Crépure, fait. non, il n'y a pas un truc comme ça. Crépure, ça sonne bien. Ouais, crépure. Perceur crépure, vous êtes sûr là? Perceur, je sais pas. Ouais. Perçure. Comment tu veux être sûr d'un truc pareil? Crêpeur? Un crêpeur de chignon? Crêpeuse. Est-ce qu'il y a crêpeuse? C'est un peu la question. Mais... Aïe, c'est la fin. Ouais. C'est la fin de notre sans faute. Ça sent la faute, quoi. Trituré, c'est quoi l'anagramme? Ouh Oui. là là. Comment tu dis? Titreur. Oh purée. C'est jamais titreur en tout cas. Parce que Ouais. Non sur. mais titreur à la limite ça sonne pas trop Titreur mal. sur titre, ça me dit quelque chose en fait. Fumeur, fumeur, Ah, fumeur là en titreur bas, c'est sur bon. titre, ok. Ça me dit aussi quelque chose. Mais on a tous les ur-heures Tout là sur ce titre, c'est dans une bizarre seule ça. série. Alors perceur, Et doute. je sais même pas pourquoi je l'ai tapé en fait. Reperçu. Repercevoir? Non, non, non. Mais à la limite, crêpeur, non? Crêpeur, crépure, ça vous dit ou. Pourquoi pas? Pourquoi Il y en aura au pas? moins un des deux qui sera bon, Et quoi. moi. Et meulier, ça vous dit pas? Si, ouais, ça sent pas mal quand Aucune idée, hein, vraiment. même. Mulerie. Perceur, perceuse. Allez, je reviens sur perceur. Allez, on prie! Bon. Mais oui! Mais oui! Oh. Mais ça, c'est du vocabulaire! Incroyable. On n'a jamais tremblé! Non, j'aurais Vous êtes toujours témoin! parié sur le sans faute, là, pour Vous êtes dire. témoin, vous êtes Un témoin! serein, quoi. Ça s'appelle la confiance! Alors, lumière, on y va! On peut rien mettre devant, c'est réglé. Ouais, lumière, j'y croyais, ouais. Jusqu'à là, ça allait, ouais. Alors les appuis sont sympas, on pourrait faire les appuis, on n'a pas fait trop les appuis, sinon ça va durer trop longtemps, mais regardez par exemple les appuis de lumière, il y en a quelques-uns qui sont assez sympathiques, quoi. Voilà, bon je vous les montre comme ça.
Ensuite, donc meulier, meulière. Relatif aux meules ou une roche sédimentaire. Il y a le choix. De toute façon, il y a souvent une roche quelque part avec le lobby de la géologie. Même meulier, c'est une roche, quoi. Ah non, c'est meulière, pardon. C'est meulière seulement. Ouais. Ok, donc bon, ben, à retenir. Ensuite, vermine minèvre. Minerve. Vermineux. Ah, ça c'est intéressant, ça. Vermineux. Qui est causé, entretenu par des vers intestinaux. Sympathique. Ça fait bien, c'est comme l'oxyrose. Alors, vermine. Vermineux. Hop. Minerve, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, il y a Minerval qui est sympathique, mais je suis pas sûr que c'est un moindre rapport avec la Minerve. Ça doit plus avoir un rapport avec la déesse Minerve. Ouais, c'est les frais de scolarité en Belgique. T'étais bien. Donc le rapport avec Minerve est tout à fait évident. Bah, tous ceux qui connaissent bien Minerve voient le rapport, quoi. Ouais. Comme c'était aussi la déesse de l'école. Natal. Alors attention, parce qu'on peut faire Natal ALS, mais tous les Benjamins font on peut pas faire Nato, quoi, c'est le piège, voilà. On peut faire ce qu'on veut, sauf Nato, quoi. Néonato, tout ça, y a pas de problème. Oui, il y a le syndrome post-natal. On va vous les montrer d'ailleurs, parce qu'il y en a quand même un paquet. Il est où le Natal? Là. Donc, anténatal, ouais, néonatal, prénatal, anténatal, périnatal, postnatal. Il y a du choix. Hein. Voilà. Bon, et alors on peut tous faire LS et AUX. Voilà. Sauf natal, c'est. Nato, que... c'est interdit. C'est. Voilà. C'était décrété. Juste parce que... Ah, Salan, c'est confirmé. Avec un S, mais pas Salante. Le piège. Donc, litière, literie. Ok, literie. Ouais, la literie, bon, d'accord. Oulolo. Ok, on laisse tomber les super Benjamin. Minoré, mérinos. Donc, mérinos, un mouton à laine longue et fine. Allez, on montre. Et bim. Ah, c'est des chaussures. Ah, oui, vraiment de la longue laine, là, quoi. Laine mérinos, cachemire. Pure laine vierge. Mérinos, j'aime les mots. Hop. Et alors, c'était écrit quoi? Toujours un S, ok. Crépin, toujours non masculin pluriel. Il s'agit du matériel de cordonnier, oui. Oh, bravo. Et bravo. Prince, il y a coprince, minimum. Princesse et coprince, ok, ça se tient. Bon, on peut le mettre vite fait. Coprince qui n'est pas un champignon. Hop. Ça, j'ai pas compris la blague. Bah en fait c'est Coprin qui est un champion. Ah oui. Ok, qui est un mot à l'intérieur. Le fameux champignon qu'on avait vu l'autre fois. Alors perceur, bon bah pas de problème. Hein. C'est le masculin de perceuse. Ajouté au fichier de révision. Et crépure, état d'une chose crépée. Mmh. Oui. La crépure de la raison tique. Oups. Titreur, titreuse, triturée, urétrite. Ah, ça c'est binôme de huilette. Ok. Et on a molette, moleste, fumeur, fumure. Les trucs devant fumeur? Parfumeur. Bim. Ouais. Le seul. Je pense pas qu'il y ait de parfumure par contre. Là. Pas gagné. Et devant fumure, est-ce qu'il y aurait quoi que ce soit? Non. Ok, fumeur smurfeur, d'ailleurs. Il n'y a même pas de non-fumeur, c'est ça qui est fou. Ça viendra. Ouais. Il y a non pareil, alors. Allez, oui. Je crois qu'on a fait le plus dur. Il nous reste 24 tirages. On est bien. Mélena. Ça semblait facile. N'est mal. Puis ça l'est pas. Voilà pour les enfants. Ouais. Huméral. Évadé.
Persan. Manant, espèce de manant. Persan, Au moins, crépant, ça avec ne la va. NT, on a moins de mal. Ouais, là, ça allait, là. Ah, par contre, c'est un adjectif, persan. Bah oui, persan, un cri persan. Transi. J'ai du mal toujours avec celui-là. Passé mort. Morbide. Morbide et dibrome. D6. Limité, milité. Ça va. Hop! Et oui, 59 secondes pour la série. Ah, c'est si récent ça, le dibrome, alors que le terme de chimie existe depuis la nuit des temps, à peu près. Bon, n'exagérons rien. Néna, toujours la définition qui fait plaisir. Némal. Égal Némalion, une algue rouge gélatineuse. Ah bah c'est écrit. M'étais juste épargné gélatineuse. Morbides, et bim! Ah ouais. Morbides, en beaux-arts, la délicatesse dans le modelé des chairs. Le Oui. mot est dégueulasse, mais ça désigne un truc beau, quoi. Huméral malheur, évadé, dévasé, désert, dé... Alors, dessert, desserte, hein, c'est le féminin de dessert, bien sûr. Ah, c'est aussi le verbe desservir, certes. Dessertir, tiens, même. Dessertir, c'est plutôt sympa. Attends, mais desserte, c'est juste un nom en fait. Du coup. Oui, une Oui, desserte. c'est une Ouais, c'est juste la desserte. desserte. Okay. Bon, je vais mettre tiret E. Et. Dessertir. Hop. Huméral. Ok. Ah! On a failli rater la superbe rallonge, la plus belle Scapulo de la humeral. vidéo. Scapulo-huméral. Relatif à l'omoplate et à l'humérus. Superbe. Je vais de ce pas le rajouter. Persan, persante, c'est noté. Et transpersante, peut-être. Et même, alors, repercer, c'est le verbe repercer, certes. Mais transpersant, c'est sympa. Ah non, il n'y a pas un adjectif? Oh, cette arnaque! Transparent? Ah oui, transparent. Ouais, J'ai cru que ça avait été un transparent. rapport avec les parents. Je ne comprenais pas trop. C'est l'homme invisible Ouais, qui habitait chez ses mais transparents. pourquoi transpersant, c'est pas un adjectif? Je m'insurge. Bon, bah, persan, persan, talent. Nissard. Un dialecte de Languedoc de Nice. Et Némoral, qui vit dans les forêts. Ah bah comme moi. Ah oui, bien sûr. Et Sylvain Sylvain. Morbide, morbidesse, milité intransitif. Voilà. Elle était plus abordable, cette série. Allez, Oui. l'avant-dernière. Grosser. Et essorer. Englouer. Urbaine. Envoyer. Suspect européen. Ressemer. Ressemer. Deux orthographes. Non. Non. Ah, oui, Oui. je pense que c'est Ouais. effectivement. Oui. Je croyais que tu disais ça comme ça pour info. Inusité. Et on prépare le S devant inusité. Ça peut être bien sorcier. Oh, c'est connu ça normalement. Mais oui, c'est connu. Léotard. Ouais, c'est ça. C'est connu, mais c'est dur. Anomie. On déplace le S. Ok. Oh bah tiens, Remouer. ça alors. Crasse plus E. Alors Épincé. crépine? Oui, Épincé. crépine. On avait eu les questions. Le crépine existe au singulier, contrairement à crépin. Ah ouais, c'est ça. Il y a crépinette, c'est ça? Ah oui. C'est même peut-être pareil que crépine. Là, je ne me prononcerai pas. En tout cas, c'est une rallonge devant l'épinette.
Ça va? Ouais, ça va. Parfait. Bien joué. Euglène plus R, engelure. Euglène, une algue. Ressemer, donc il y a les deux. Inusité, c'est un adjectif. Léotard, c'est un maillot. Il y a Léonard, Léonard. Et il y a Léopardé qui est un adjectif. Anosmie, c'est la perte de l'odorat, tandis que anomie, c'est la désorganisation d'un groupe, d'une société. Ok. Tolard, ok. Bon, TAU également pour Tolard. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc la fameuse crépine. Alors soit c'est une membrane de la panse, soit c'est filtre. Ok, donc crépinette, ça n'a rien à voir. C'est une saucisse plate entourée de crépines. Ah, quand même! C'est entouré de... Ah, c'est l'anagramme de centripète et de intercepté. D'accord. Centripète qui va vers le centre, contrairement à centrifuge. Très bien. Et nous avons J'aime donc le rapprochement. le verbe léviger. En chimie, séparer par entraînement dans un courant d'eau les constituants d'une solution. C'est pour le soluté. Et Bah gélif, oui. argélive. Qui peut se fendre sous l'action du gel ou qui ne peut pas se fendre sous l'action du gel. Voilà. Eh bien, il reste 4 tirages, ce serait dommage de chuter. Musette, muette. À noter que la musette a les deux jambes, selon le sens. Ah bon? Un Ouais. musette? Un bal musette. Le Ah. musette, c'est le genre musical, donc Ah. le bal musette, et puis la musette, c'est l'espèce de sac ou je sais pas, Voilà, besace. besace. Ver, j'ai Mais tapé verjeter, mais on est d'accord? oui. C'est un adjectif? On sait pas. Moi, Si. je suis avec ça. Verbe. Tu dirais que c'est un verbe? Voilà. Parce qu'il y a évergette, mais ça c'est un nom. Oui, ça c'est un nom. Verjeter, tu dirais que c'est un verbe, ok. Donc, glaive et vagile. Bon, on va jeter, ça me dit rien. En verbe, tu veux dire? Ou Ouais. en, au total? Ouais, dans ça que Verjeta, je le sens Ouais, pas en moi. vergeta, ouais. On sent moyen. Et alors, Je sens. VGT, c'est intransitif, on est d'accord. Hein. C'est le fameux piège, il faut jouer. Il faut rien jouer. Alors, Il rien en faut rien jouer. fait. Allez. Eh oui, c'est le sans faute! Alors, c'était carrément pas un adjectif, j'ajoutais aussi quand même. Adjectif, ouais, marqué de raie et de vergeture. Il y a vergette qui est un nom. Ouais. En fait, c'est je. Ah oui, je végète. Ok. Là, c'est pas facile, là, quand c'est retrouvé. Et par contre, j'ai pas mis la rallonge, quand même, évergète, voilà. Qui est un bienfaiteur public dans l'Antiquité grecque. Alors, là, il y a des choses à dire sur ce mot. Il faut absolument que je le rajoute. Donc, c'est vergeté. Et ensuite, on a. Non. Et puis. Et vergette. Vergette, là. Et puis, voilà. Vagile, glaive, alors. Glaive, ok. Donc, musette, on y va. Ouais, non, masculin et féminin. Mais muette, léonure. Une plante à fleurs roses. Allez, on peut montrer une léonure pour finir. Ouais, rose, rose, c'est vite dit, hein. Vois des tournesols là. Ouais, c'est. T'as pas l'air hyper connu quand même. On n'a pas le nombre de résultats. Bon, ok. Et puis, qu'est-ce qu'on peut signaler? Donc, glaive. Ah oui, donc il précise pas. Quoi, c'est une épée? Ok. Et vagile. Faune aquatique qui rampe sur le fond.
Les glaives, ça peut être aussi des espèces de projectiles qui reviennent comme des boomerangs, je crois. Ah bon? Alors, on va Possible. voir ce que dit Google Images. J'espère que ça revient Non. pas comme un boomerang, ça. Non. Non, mais peut-être, hein. Il me semble qu'il y a aussi ce. Ah. Pas selon Google Images. Glaive de sentinelle ensanglantée, là, qu'on avait. Quoi? Là, juste au-dessus. Remonte un peu. Ça? Ah, waouh. Ouais, il y a D'accord. des glaives comme ça. Des... Ah, waouh. Ok. Très Ouais, bien. c'est très. Ouais. Eh bien voilà pour cette série, c'est un beau sans faute et il ne restera plus que la dernière série pour terminer le poids 0-1-4 avant d'attaquer les 4 dernières vidéos du poids 2 et 3. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager la vidéo et puis on vous dit à très bientôt. Ouais, salut. Salut, À la à bientôt. prochaine.